Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez les sauces, en voilà une autre au menu filet de bœuf aux champignons. L'élément principal sera bien sûr le filet de bœuf, qualité 3A Angus, ici on n'y est pas, pour le poids 300 grammes. Il y aura bien sûr aussi les champignons, que l'on appelle ici les champignons Café de Paris. La garniture de légumes sera les têtes de violon du Québec, c'est la saison. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pousses de fougères, comme ça. Elles ont été cuites 3 minutes à l'eau bouillante, salées, et voilà. Et pour les frites, allez voir ma vidéo frites maison. Elles sont grosseur pont neuf, c'est-à-dire assez grosses. Et pour les éléments à votre droite, on les verra au fur et à mesure. Première étape, comme en cuisine, préparation, la mise en place. Champignons, comme ça, l'intérieur est blanc, couteau blanc. Bol avance, et on coupe comme ça. Champignons dans le bol. On continue. Un dernier. Champignons, bol. Pour le couteau, c'est fini. Le plus gros est fait, on passe au filet, feu à fond, et on préchauffe la poêle à 200 degrés Celsius. La poêle à 200 degrés Celsius, impeccable. Terre de canard, une cuillère, le filet dans la poêle. Et on laisse saisir environ 20 secondes. Un demi-gramme de sel ne fera pas de mal au filet, comme ça. Après 20 secondes, filet tourne, un peu de sel, genre 1 demi-gramme, et encore 20 secondes. Après le deuxième 20 secondes, on fait saisir les côtés. Filet tourne. En fait, retourner souvent le filet, ça aide à avoir une cuisson progressive au centre. Donc c'est comme le tourne-broche, on tourne et retourne. Mon filet va être très saignant, donc la cuisson c'est à votre goût. Mon filet est cuit à mon goût, maintenant place au spectacle. Les flammes sont parties, filet on réserve. Un peu de beurre, on égalise, champignons, tourne et retourne. On va les faire suer. Ils ont une belle coloration, ils ont bien sué. Maintenant, vin rouge. Réduction. Un peu de poivre. On va faire une réduction à demi. Le vin rouge a bien réduit. Maintenant, fond brun. Donc, c'est un fond brun clair. Je vais le faire réduire pour devenir comme une demi-glace. On y retourne. Réduction. Le fond brun a bien réduit, genre demi-glace. Maintenant, je crème. Crème champêtre 15%, comme ça. Un quart de litre. Spatule, réduction. La spatule trouve qu'il manque de sel. Sel. Un peu de poivre. Tourne et retourne. Spatule revient. Très bien. En fait, notre spatule résiste aussi la chaleur jusqu'à 400 degrés Celsius, donc pas de problème. La sauce a une belle réduction, une belle consistance. Feu éteint, filet mignon comme ça, on déménage. Feu à fond revient, c'est pour les têtes de violon. Un peu de beurre, on fait fondre. Pour le beurre, on l'égalise. Tête de violon comme ça. Tourne et retourne. Et on laisse chauffer tranquillement. À ce stade-là, on peut faire les frites. La friteuse est à 200 degrés Celsius, impeccable. Panier monte. Panier redescend. Et on laisse environ 30 à 40 secondes. Tête de bouillon tourne et retourne. Frites, on secoue. Vérification, les têtes de bouillon sont chaudes. Feu éteint. Les frites, pareil. Bol. En effet, c'est prêt. Papier absorbant, c'est terminé. Un peu de sel, un peu de poivre comme d'habitude. Tournez, retourne. Super cool. Donc le classique pour les pommes neufs, c'est de faire comme ça. Une dernière, et voilà. Le petit coin est jaloux, comme ça. Un petit coin. Le restant sera pour le deuxième service. Le filet, et voilà. Tournez, retourne. On le place comme ça. Un extra petit bol comme ça et voilà.
Maintenant, on fait l'assiette pour la photo de YouTube. Après, on fera le contrôle de la qualité. La photo est prête. Maintenant, contrôle de la qualité. Assiette comme ça, filet mignon dans l'assiette. Grand contour rouge, bien sûr, la viande est rouge. On coupe comme ça. Donc, il est clair que ma cuisson est bien centrale. Le gris est égal ici et ici. Donc, impeccable. Et l'intérieur, on vérifie, il est chaud. L'assiette de contrôle à la plonge. Maître d'hôtel, la commande de 55 est prête en élève. Et merci à vous qui me suivez en Champagne et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.